Salut les joueurs! Lorsque l'on voit un jeu signé Antoine Boza, on se pose des questions. Quelle merveille nous attend là! De fait, voici Collection, un jeu édité par Blue Orange. Alors, une merveille? Donc voici l'intérieur de la boîte. Une règle de jeu en... 7 langues! 7 langues! C'est qu'en fait, tout tient en réalité sous une double page. Vous notez que l'intérieur de la boîte est aussi le plateau de jeu. Maintenant, regardons les polygones. Ils sont de 4 couleurs différentes. Nous avons du... rose. Jaune. Bleu, ma couleur préférée. Et vert. Nous avons 4 formes différentes. Le carré, le triangle, le pentagone et l'octogone. Vous devez collectionner, et pour collectionner, vous devez faire donc des séries de même couleur, donc de formes différentes, ou des séries de même forme, et donc de couleurs différentes. Un scoring par couleur aux angles, le bleu ici, et donc nous allons de 4 à 2. Pour saisir un polygone, il doit être accessible, c'est-à-dire qu'aucun polygone n'est recouvert par un autre, ni le touche en même temps. Léopoldine, oui. Saisis-toi d'un polygone. Ah. Hein, donc un carré d'une couleur rose, un carré d'une couleur jaune, un autre carré de couleur bleue et un autre de couleur verte. Bravo Léopoldine. Lorsque tu as une série de formes, tu dois prendre un jeton score dans la pile où il en reste le moins. Alors, donc c'est la bleue. Oui. Et j'ai 3 points. D'accord. Si jamais j'avais réussi à faire une série de formes différentes, mais des mêmes couleurs. Ici, j'ai fait la série verte. Donc, je prendrai les points verts. Des pouvoirs spéciaux par joueur. Un masque. Le recyclage et la poubelle. Au verso, nous aurons un point. Ce sont des jetons pouvoirs spéciaux qui permettent de prendre des polygones aux adversaires, de les échanger ou alors de se défausser. Mais alors, collection, qu'est-ce qu'on pourrait en penser? Déjà, c'est un jeu très très tactique. Avec toutes les couleurs, le plateau est original, c'est très joli. Les règles sont très faciles à comprendre. Tout à l'heure, tu m'as expliqué en 2 secondes, c'est génial. Ouais, c'est vrai que ce sont des règles très simples. Il est noté à partir de 7 ans. Et qu'est-ce que tu en penses à partir de 7 ans? Je trouve que c'est raisonnable. Oui, moi aussi. Donc, un jeu fun, rapide, très très familial. Un jeu qui peut être joué... avec les enfants, les plus jeunes, mais aussi avec les adultes. Voilà, collection. Allez, n'oubliez pas de liker, s'abonner à notre chaîne et lâcher des commentaires. Super! Allez, salut les joueurs! Salut!